Putain, c'est pas possible ça, bordel de merde. 14 h, c'est plutôt facile, non? Putain, c'est le début d'après-midi, quoi. Juste après le manger. Tu bouffes, tranquille. Tu te poses, puis vers 13 h 30, 13 h 45, allez. Tu te prépares, puis tu décolles. Toi, histoire d'être à l'heure. Eh ben non, ces deux gros connards peuvent même pas respecter ça. Tu serais pas venu me chercher, je pense que j'aurais été à la bourre aussi. Hein. T'en déconner? Ah ouais. Moi, je trouve ça plutôt classe d'être en retard. Tu trouves ça classe? Non, mais y a quoi de classe à arriver à la bourre? Non, mais là, par contre, va falloir que tu baisses d'un ton et très vite. Hein. Sinon, le bras droit de Gilles, il va se retrouver dans un plâtre. Ah, mais c'est bon, t'énerve pas. Là. Non, mais juste, je comprends pas ce qu'il y a de classe à arriver à la bourre. Je sais pas. Tu te sens important. Et puis, ça fait bien chier les gens. Puis ça, bah, ça me fait marrer. Ouais, effectivement, ça fait chier, ouais. D'ailleurs, pourquoi c'est pas Gilles qui est ici? Normalement, c'est lui qui gère ce genre de truc. Ouais, bah, messire Gilles, on m'a dit que ça le rendait malade de voir Didier. Ça le rend malade? Ouais. Non, mais on n'en a rien à branler que ça le rend malade. Et surtout la flemme, ouais. T'as déjà vu Didier? Bah non. Bah voilà. Ça me plaît pas trop, ton truc, là. Mais t'occupes. Hein. De toute façon, toi, t'es là au cas où ça partira en couille, c'est tout. Oui, Francis. Vous y êtes? Oui, nous y sommes. J'ai mis la mallette dans le garage. Tout y est. J'ai vérifié 2 fois. Francis, tu commences gentiment à me casser les couilles, là. T'es déjà appelé, c'est ça? Putain de cinglé de merde, lui aussi. Bon, mais foutent quoi, tes potes, là? Allez, voilà. Have you got the briefcase? Ne me comprends rien du con. Vous avez la mallette. Ah oui, nous avons la mallette. Didier veut la vérifier. Eh ben, qui se trace, on n'a pas que ça à foutre. pas me la donner, ce connard? Je comprends pas Gilles, des fois. Plutôt pas mal, ce mec.